Ah ben, je vais pléter, je pense que je vais en avoir une ici. Pléter ou voler, quoi. Peut-être récupérer pour la restauration d'un autre ouvrage, c'est possible. En tout cas, deux belles cuves monstrueuses. Alors, changer de caisse. Alors, hop. Alors, il est vraiment pas mal celui-ci, hein, c'est d'accord. Donc là, ok, il y en a un qui a ouvert la porte au pied ici. Bon, je pense une chargée aussi. Pas de vie, câble en bas. Ouais, c'est bien une chambre ouvre juste le cage, c'est impossible. Alors là, on va faire gaffe parce que les murs se barrent. D'accord. Alors là, je pense que où c'était. Bon, il y a un très très bon couloir pour accéder à cette petite pièce. Donc, au sol, c'est dallé. Un peu sonné, peut-être une chambre d'officier, peut-être la chambre du commandant. C'est un peu mis à l'écart. Pas d'installation spécifique à l'intérieur en prime, donc. Alors, bon, par ailleurs, je regarde ces indications sur la porte, il n'y en a pas. Là, on voit qu'il y a une salle pour radiateur avec le départ et le retour. Un radiateur qui est manquant, bien sûr. Donc là, pour moi, c'est une chambre ici, hein, je pense. Une petite chambre. Enfin, une petite chambre, pas mal, quoi. Les ventiles. Alors, là, pareil, des réservoirs, on l'a sans bleu. C'est en bleu, mais par contre là, c'est spécifiquement l'emplacement des moteurs, enfin, des groupes électrogènes. Hein. Donc là, les moteurs sont manquants, donc ils ont été pris. Alors comme je dis, hein, c'est pour s'équiper dans notre fort en restauration. Ça a été volé, et voilà. Là, c'était l'emplacement des moteurs, donc il manque tout l'équipement au mur. Pratiquement tout, je pense que ça a dû se retrouver dans un ancien bunker. Petite pièce. Il manque quelque chose ici aussi. Ah, c'est pas. Ça caille un peu vite.
par ordinateur. Il manque avant la tuyauterie, c'est découpé. Ça arrive qu'on ait des indications sur les portes, des fois c'est stipulé le type de pièce qui a été. On voit qu'il y a un lavabo. C'est une petite pièce qui s'y fait. Une petite pièce spécifique, peut-être du stockage de munitions, ou peut-être du stockage des vivres. Apparemment, là, je pense qu'on était dans la cuisine. Parce que là, il y a un poêle, un ancien poêle, en piteux état d'ailleurs. Et là, on voit qu'il y a un gros conduit de ventile, comme si c'était l'aspiration. Donc, à mon avis, les deux petites pièces, là, c'était le stockage demandé. Voilà, il y a écrit rangé sur la porte. Ah oui, d'accord. Je comprends mieux pourquoi le nouveau danger est inscrit. Hop, ok, j'ai un pied trempé. Et là-haut, on va voir. Change de plan de câble, hein, c'est normal. Ah, c'est pour avoir l'acquisition avec le stabilisateur. Ah, donc ça doit mener sur une grille d'améder. Ok, maintenant je vais foutre le pied dans la flotte là. Je ne raconte pas la jauge, c'est les amis, parce que là, l'eau, il est à moins 5 degrés. L'eau qu'il y a ici, ça provient d'un fond de neige. Ah, j'ai un pied gelé. Bon, ça fait partie de l'exploration. Alors là, on a un moteur de ventile au sol. Donc, on traverse un sas. Ok, voilà, remplacement du moteur. On va retrouver le moteur. Hop là. Couloir étroit. Donc là, par exemple, c'est du stockage, je pense. Hein. Je pense stockage de denrées ou de munitions. J'essaie de se retourner. Hop là. Bon, eh bien, je crois qu'on est au bout du bunker. La ficelle. Et là, donc pareil, en l'échelle manquante et deux accès. Donc je sais pas pourquoi les échelles sont manquantes. Donc est-ce que c'est pour éviter que les gens y aillent par sécurité ou Eh bien, les amis, je crois qu'on a bouclé l'ouvrage, donc je vais me diriger vers la sortie. Je vais vous montrer l'ouvrage depuis l'extérieur, puisque je crois qu'il y a un bloc et une tourelle. Donc on va voir ça d'un peu plus près. Allez, je vous dis à tout de suite. Eh bien, les amis, nous voici à l'extérieur. Donc voici l'avant d'ouvrage, avec le bloc d'entrée. Avec donc cette partie tôlée. Ça servait surtout l'hiver en fait, parce qu'ici l'hiver il neige bien sûr. La neige atteint facilement le toit d'ouvrage. Et donc ce conduit là en fait, la partie du bas est démontée. Vous voyez, il y a une toile ici, donc l'étoile descendait jusqu'au bas. Et ça servait à empêcher la neige de boucher l'entrée du bunker. Donc toute l'entrée là restait safe, puisque il y avait l'étoile sur les côtés. Et l'accès du bunker donc se faisait... Non, par cette porte et par cette échelle, et l'équipage pouvait sortir par le toit de l'ouvrage, encore en plein hiver bien sûr. Alors, je vais vous montrer le dessus.
une tourelle. Donc là, c'est les deux accès sans échelle, pardon, donc les deux premiers qu'on a vu. Si vous avez vu quelque chose, un bloc d'hélicoptère, avec les grilles, et ensuite là, donc pareil, la même protection pour la neige. Alors, on voit bien que c'était de visser, on voit encore les ancrages. Et là, le bloc arrière, donc c'est le bout du bunker, quand nous étions à l'intérieur, la dernière partie sans échelle. Donc on va essayer de voir s'il y a un accès. Donc là déjà je vois qu'il y a un fossé. On a deux beaux créneaux. Ici et un créneau là. Là je présume vu la taille du créneau qu'il devait y avoir un cadran de fichard ou un mortier. Donc là, là il y a une ouverture à l'intérieur du fossé. Donc on va aller faire un petit tour dedans. Ah ouais, on va sortir la lampe. Contorsionniste là, là c'est du 4 pattes. Montrer ce que ça donnait. Donc, sacré épaisseur pour les barreaux. Plus donc le créneau, donc ça fait un petit sas. Là on se retrouve ici. Alors, tiens, je vais essayer de s'y passer ici. Ah ben ok. Donc là je pense que c'était juste une sortie de secours. Là on trouve une pièce à créer en fait. Donc derrière se trouve le bloc avec le canon. Avec le créneau avec le canon. Donc c'est bizarre que ce soit séparé comme ça. Là je pensais accéder au canon par ici. Donc il y a quand même une protection, c'est fou ça. Donc si l'ennemi arrivait à passer par la sortie de secours, il n'avait quand même pas accès au canon. Là c'est fou, c'était vraiment bien fait. Et donc là, pas d'échelle. Alors attendez les amis, et bien voilà, on est sur le bloc de fin quand j'étais à l'intérieur en fait, hein, voilà. Donc l'échelle donnait juste à cet accès, donc c'est une échelle qui menait à la sortie de secours. Donc j'ai rien perdu de pas escalader, hein, donc on a pu accéder par là. Par contre, moi ce qui m'intrigue, voilà, j'ai demandé où se trouvait l'accès au bloc du canon. Donc l'accès est ici par le haut. Alors je vais tenter une petite manip, je vais couper, on se retrouve dans deux petites minutes les amis. Bien les amis, donc je suis ressorti, hein, le risque est trop important pour filmer un simple bloc désarmé. Comme je dis toujours au début de mes vidéos, ne prenez pas de risques inutiles. Donc là, depuis l'extérieur, donc on voit la petite tourelle et là vous avez le bloc dans lequel on était il y a quelques secondes. Et voilà ce que ça défendait, donc cet accès. Donc pour moi c'était bien un canon trichard. Hein. Bien les amis, cette vidéo se termine. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager à max. Allez, à bientôt les amis, tchou tchou.